Alors avec James, nous avons choisi dans l'Évangile selon Luc un passage car nous suivons cet Évangile tout au long de ce trimestre avec les enfants de l'école biblique. Au chapitre 7 donc de l'Évangile selon Luc, ce passage où Jésus nous donne à réfléchir sur l'époque où nous vivons, sur l'humanité que nous partageons avec d'autres, à partir du verset 31. À qui donc, nous dit Jésus, comparerais-je les humains de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble à des enfants assis sur une place publique qui s'appellent les uns les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas de vin. Et vous avez dit, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un ivrogne et un glouton. Un ami des péagers, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants, nous dit Jésus. » Et puis je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, nous dit Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que par vous-même vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puis pour laisser le temps à ces textes de résonner dans le cœur de chacun, je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le cantique numéro 232. Alors c'est un cantique qu'on ne chante pas tellement souvent, mais je crois que l'air nous est un peu connu, donc le 232, les trois premières strophes.
Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous donc à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacune et chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable bonheur, enthousiasme de vivre, et pour nous aider à être une bénédiction pour les autres. Jésus nous propose donc de nous poser une drôle de question. À quoi ressemblent les humains de cette génération? À quoi pourrait-on les comparer? Alors on peut se demander à quoi ça sert de se poser ce genre de questions, mais en fait Jésus nous invite à prendre du recul et à nous regarder pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois que c'est un élément clé pour pouvoir avancer. Alors comment est l'humanité actuellement? Quel portrait en ferions-nous? Une des grandes utilités de la Bible, je crois, c'est de nous aider à nous voir nous-mêmes, comme dans un miroir finalement. Si nous ne savions pas la tête que nous avions, si nous n'avions pas de miroir dans la maison, si nous n'avions jamais vu une photo de notre tête, ben finalement ce ne serait pas trop grave, c'est pas indispensable. Mais c'est bien plus dommage de ne pas savoir qui nous sommes en réalité, comment nous fonctionnons, quelles sont nos qualités, nos défauts, et quelle est la situation d'aujourd'hui dans le monde où nous sommes. Car c'est en sachant un peu mieux cela que nous pouvons mieux réagir, que nous pouvons vivre, que nous pouvons progresser. Et puis, la Bible nous aide vraiment, je crois, à mieux nous connaître ainsi. Car en effet, elle nous permet de nous poser 1000 bonnes questions qui nous renvoient un petit peu à ce que nous sommes. La prière aussi peut nous aider à mieux nous connaître, à savoir un peu qui nous sommes, comment nous fonctionnons, à avoir une certaine lucidité sur nous-mêmes. Jean-Baptiste, alors c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un de très drôle, mais il nous invite à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner vers Dieu, pour avoir cette lucidité, à faire le point, à voir ce qui ne va pas, et puis nous aider à nous ouvrir à cette guérison que Dieu nous apporte. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours très drôle de nous tourner vers nous-mêmes et de voir que nous avons un bouton sur le nez, que nous avons peut-être mal rasé la barbe ou des cheveux dans désordre. Mais heureusement, Jésus
détend l'atmosphère en faisant la fête à même avec les plus pécheurs parmi les pécheurs et en se montrant ainsi leur ami. Et cela nous montre que nous pouvons prier Dieu sans crainte, puisque même quand nous ne sommes pas en forme, en Jésus-Christ, nous voyons que Dieu est notre ami et qu'il nous invite à faire la fête pour nous redonner le moral. Alors, sachant cela, nous pouvons avoir le courage de nous regarder dans la glace, nous et notre génération, nous et l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? À quoi ressemble notre humanité, notre génération ? Alors Jésus, je trouve qu'il raconte bien les histoires. En trois mots, il décrit l'humanité et son portrait est saisissant et criant de vérité et d'actualité. Il voit l'humanité, nous dit-il, comme une foule d'enfants assis sur l'agora. L'agora, c'est cette place qui était dans l'Antiquité au cœur de la ville, un endroit où tout se vend, tout s'achète, un endroit où l'on fait de la politique, où l'on discute, où l'on fait de la philosophie, un endroit où la justice pouvait aussi être rendue. Et donc Jésus compare l'humanité à une foule d'enfants assis sur cette place, chacun exprimant sa propre humeur du moment et chacun se plaignant que les autres ne sont pas tellement sensibles à ce qu'ils expriment. Dans un sens, c'est une vision optimiste de l'humanité, de ce que nous sommes, puisque Jésus nous compare à une foule d'enfants. Or, les enfants, ça grandit, ça apprend des choses, ça devient plus fort, ça devient plus sage parfois. Et donc, cette petite parabole de Jésus nous apprend quelque chose sur nous-mêmes déjà. Quel que soit notre âge, quel que soit notre état, Dieu voit en nous quelqu'un qui va grandir. Quelqu'un qui peut devenir un adulte libre et responsable, un peu plus responsable et sage. Et dans ce miroir de l'Évangile que nous donne Jésus ce jour-là, nous voyons une humanité toute morcelée en individus, en corporations, qui cherche à communiquer, mais en sens unique, et qui se reproche les uns aux autres de ne pas être à l'écoute de ce qu'ils sont et de ce qu'ils expriment, et qui n'écoutent, eux non plus, personne, ni les autres, ni Dieu. Alors c'est le triste paradoxe d'une liberté d'expression qui n'a rien à faire du sentiment des autres. Alors à première vue, cela pourrait aller avec le début du passage de l'apôtre Paul que je vous ai lu, mais seulement, en fait, le début de ce que Paul dit, en oubliant la suite. Paul nous dit de ne pas nous conformer au monde qui nous entoure. Alors oui, nous nous disons, je ne me conformerai pas au monde qui m'entoure. Je regarderai le monde de mon point de vue et devant mon entourage, je vais crier mon humeur et ma revendication d'exister, d'être moi, en me disant, ah, si seulement, quand je suis heureux, il y avait quelqu'un pour s'en réjouir et pour danser de joie de me voir être moi-même. Et quand je suis triste, ah, si quelqu'un pouvait pleurer pour moi, avec moi. Et dans cette logique, plus il y a une proportion importante de personnes concentrées sur elles-mêmes, sur leur propre humeur, et plus finalement, il y a le sentiment que personne ne nous écoute vraiment. Alors pourquoi écouterais-je la plainte des autres si j'ai l'impression que personne n'écoute la mienne ? Pourquoi devrais-je danser de joie sur ce que sont les autres ? Si personne ne s'est intéressé à ma joie et à ce que je suis. Ce qu'il nous faut, c'est un miroir pour nous voir en réalité et que nous puissions sortir de cette atomisation de la société et que progressivement, on commence à être un monde où, un peu plus, on s'écoute les uns les autres, on est à l'écoute de ce que ressent l'autre à côté. Et c'est ce que propose cette fameuse prière franciscaine. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler moi-même, que je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre, que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer un petit peu, enfin. » Et donc quand Paul dit « ne vous conformez pas au monde présent », il ne nous encourage pas à être indépendants de ce qui nous entoure, au contraire, car la mode, le conformisme,
c'est plutôt d'être individualiste finalement. Et donc, se préoccuper des autres, c'est le nouvel anticonformisme. Ça l'était déjà du temps de Jésus, bien sûr. Normalement, comme tout le monde, nous pleurons sur notre propre problème. Vous avez déjà vu des cheminots faire grève et manifester pour que les routiers soient payés plus ? Vous avez déjà vu les pilotes d'avion manifester pour que les infirmières aient une diminution de leur temps de travail ? Les rares fois où il y a des manifestations qui s'occupent du droit des autres, c'est plutôt pour que les autres n'aient surtout pas les droits dont moi je bénéficie. Et si l'on est généreux, on préfère que ce soit avec l'argent des autres, en distribuant les ressources de la collectivité ou bien celles des générations futures. Elles se débrouilleront bien. Mais Paul nous dit, ne vous conformez pas au monde présent. Soyez vous-même. Et être soi-même, c'est être bienfaisant pour le monde. C'est comme ça que Dieu nous espère et nous veut. C'est comme ça que Dieu nous crée. Il faut seulement trouver notre propre façon d'être ainsi bienfaisant dans ce monde. C'est incroyable comme ce que dit Jésus est un portrait tout craché de notre génération. C'est à croire que le livre de la Bible change automatiquement afin que chaque génération puisse y lire une image de sa propre génération. Et que voyant enfin, finalement, la vérité, en vérité, ce qu'elle est, chaque génération puisse partir de ce qu'il y a de bon en elle et espérer le meilleur. Et du bon, il y en a dans cette génération, si l'on regarde dans le miroir que nous tend ici Jésus. Cette génération est faite de personnes qui ont des sentiments et qui les expriment. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans ces personnes. Elles ne sont pas simplement des personnes atomisées dans l'humanité, assises en panne, là, sur la place. Mais il y a du sentiment. Même cette plainte sur soi-même, même cette joie égoïste, même la colère contre les autres montre qu'il y a de la vie. Alors pour l'instant, les individus de la foule sont là, incapables d'avancer, coupés les uns les autres, contre les uns contre les autres. Alors c'est vrai que cette vie ne mêle nulle part. Comment le pourrait-elle finalement, dans cette génération qui est comme un corps dont les membres ne s'entendent plus, dont les cellules mêmes ne s'écoutent plus mutuellement? Un corps morcelé, un corps divisé, éclaté. Mais l'humanité est un corps qui peut grandir en taille, en sagesse, comme un enfant grandit, comme naturellement. Mais cela est au prix de ne pas se conformer au siècle présent, nous dit l'apôtre Paul. Non pour être indifférent au monde, finalement, au monde qui nous entoure, mais pour ne pas craindre de passer à un nouveau siècle, de passer à un nouveau nous-mêmes, de passer à une nouvelle façon d'être humanité ensemble. Dieu ne désespère jamais de nous. Il va repartir de cette sensibilité qui est à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être repartir de cette colère, de cette indignation aussi. Que nous soyons déçus de nous-mêmes ou au contraire que nous soyons trop fiers de nous, Dieu est lucide et bienveillant et il ne nous en veut pas, il s'adapte, il va repartir de cela. De nouveaux personnages qui n'étaient pas dans la parabole de Jésus au début vont alors intervenir, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ils ne sont pas comme ces enfants assis sur la place et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Jean et Jésus viennent pour s'occuper de ceux qu'ils vont croiser, de ceux qu'ils rencontrent. Et grâce à ces rencontres, c'est de nous qu'ils s'occupent, car ces rencontres sont comme un miroir de nous-mêmes et de Dieu qui vient à nous, qui vient vers notre génération pour nous sauver. Jean et Jésus nous invitent eux aussi à pleurer et à danser de joie, mais d'une nouvelle façon. Tourner vers ce qui est bon, agréable et parfait, comme le dit Paul, tourner vers l'avenir. Et une façon de pleurer et danser de joie qui construit et qui fait vivre ce corps qu'est l'humanité. Dieu injecte ainsi du neuf, un nouveau logiciel, une nouvelle façon d'être ce que nous sommes.
une étincelle divine dans cette génération et dans notre trajectoire. Et cette étincelle, c'est le fait que Jean et Jésus soient venus, finalement, soient venus avec leur façon d'être personnelle. La vie de Jean est comme un pleur, comme un deuil porté sur notre tristesse et sur nos manques. La vie de Jésus est comme une danse de joie de nous avoir comme amis, tels que nous sommes. Il nous apprécie tant. Ce que Jésus met en valeur dans la conclusion de sa parabole, c'est ce mouvement vers nous, finalement, de Jean et de Jésus. Ce n'est pas tant les paroles ou les actes de la vie de Jésus ou de Jean qu'il met en avant, mais plutôt ce mouvement vers nous et leur façon personnelle d'être eux-mêmes, d'agir, de vivre, d'être. Alors cela, à mon avis, ouvre à une nouvelle conception de la vérité. Est-ce que la vérité, c'est de pleurer et d'être dans le deuil, de jeûner, de se priver de nourriture, comme Jean? Ou est-ce que la vérité, c'est de faire la fête, d'être joyeux, de faire des banquets avec les autres, comme le fait Jésus? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de notre personnalité, ça dépend du moment, ça dépend de ce qui est utile. Cela ouvre à une nouvelle conception de la vérité. La vérité, c'est de se rendre présent au monde en étant soi-même, cherchant à apporter au monde qui nous entoure, à ceux qui sont là, que nous rencontrons, essayer de leur apporter à notre façon ce qui nous semble juste et bon, ce qui nous semble agréable et constructif. Dieu nous parle à travers de ce mouvement de Jean et de Jésus vers nous. Il parle par toute personne qui pense un peu à son prochain, qui va vers l'autre, pour pleurer quand il chante sa plainte ou pour danser de joie quand il est joyeux, quand il est en forme. Lui, Dieu, ne reste pas assis là, sur la place, à appeler les autres, à obéir à sa voix, comme les enfants de la parabole de Jésus. Non, ça atomise l'humanité. Dieu, lui, il se bouge et il va vers chacun, en Jean-Baptiste et en Jésus, pour pleurer sur notre misère avec Jean et se réjouir de ce que nous sommes avec Jésus. Alors bien sûr, cette liberté, ça choque les conformistes. Ils boudent comme les enfants de la parabole, tout grognons, critiquant celui-ci qui est trop triste et puis l'autre qui est trop joyeux. L'un ne mange pas assez, l'autre mange trop, boit trop. Et puis tous les deux, ils manifestent des sentiments trop forts. Ça ne se fait pas de manifester des sentiments. Le geste prophétique, c'est comme ça. Il est toujours, par définition, un geste original, un geste anticonformiste, un geste donc mal vu de l'institution, mal vu des bien-pensants en ce monde, et puis mal vu aussi de toutes les fibres de notre être qui veulent simplement persévérer dans ce qu'elles ont toujours connu, dans cette vérité qu'elles croient posséder aujourd'hui. Les institutions n'aiment pas tellement, finalement, tout ce qui lui semble arbitraire et imprévu. Elle n'aime pas du tout ce programme de l'apôtre Paul où chacun est appelé à ne pas se conformer au monde présent. Chacun est appelé à être anticonformiste, à recevoir de Dieu un renouvellement de son intelligence, nous dit Paul, qui va permettre à chacune et à chacun de discerner par lui-même, avec son intelligence, quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui va dans le sens de la perfection, du perfectionnement. Alors si chacun réfléchit ainsi par lui-même, c'est le début de n'importe quoi, vont brailler les institutions. Et elles vont exécuter Jean-Baptiste, il dérange. Ils vont exécuter Jésus, ils vont exécuter Paul. Et leur venue semble un échec. Ils auront si peu de temps, finalement, pour faire si peu de choses. Mais c'est comme quand on a fait sortir le dentifrice de son tube, c'est pas très facile de le faire rentrer, c'est impossible. Eh bien, cette façon d'être de Jean et de Jésus, cette façon d'être au monde, libre, créatrice, allant vers l'autre, cette façon d'être libre et créatrice ne pourra pas être oubliée. Même malgré tous les efforts de l'institution, malgré les efforts peut-être de l'Église chrétienne, malheureusement, parfois. Impossible. Impossible
Le ver est dans le fruit, le ver de la liberté, le ver de la relation personnelle avec Dieu. Seulement chaque génération est une nouvelle génération présente qui, à nouveau frais, doit grandir par elle-même et s'ouvrir à cette préoccupation de l'autre et à cette amitié de Dieu, finalement, qui nous a été manifestée par Jean et par Jésus. Et y puiser le courage de nous lâcher un peu, finalement, d'oser vivre d'une manière nouvelle, d'oser vivre peut-être intensément, d'oser pleurer, d'oser danser de joie pour se réjouir de voir les autres exister. Et d'avoir aussi le courage de discerner par nous-mêmes, comme le dit Paul, car oui, ça demande du courage tout ça, c'est pas évident. Car quand on pleure, on expose sa fragilité, on accepte sa fragilité. Et quand on danse de joie, on s'expose aussi au ridicule des autres. Les gens se sont moqués de David dansant devant l'arche. Les gens se sont moqués de Jésus et de sa joie, finalement, de voir des humains essayer de vivre. Et puis ça demande du courage d'oser, finalement, ressentir des joies et des peines spirituelles, même si c'est en privé, même si c'est dans le secret de notre recherche de Dieu, dans notre prière, dans notre réflexion. Car en vivant ainsi intensément sa foi, nous nous exposons à changer en profondeur, pas simplement nos idées, mais notre façon d'être, en se laissant bouleverser. Mais c'est en vivant ainsi intensément, finalement, en associant notre intelligence et nos sentiments, nos tripes et notre tête, quand ainsi nous raisonnons R-A-I avec notre tête et raisonnons R-E accent aigu à ce qui nous entoure, à ce que nous sommes, à ce qu'est l'humanité. C'est ainsi finalement que nous pouvons nous transformer et transformer le monde. Alors oui, tout cela nous invite à une audace nouvelle. Dieu fait de chacune et de chacun ainsi un prophète, acteur, créateur d'une nouvelle génération. L'audace d'être nous-mêmes et de ressentir par nous-mêmes et de discerner par nous-mêmes ce que nous allons pouvoir faire. Nous y sommes autorisés par Jésus quand il se montre l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire qu'en étant libres, oui, nous nous tromperons sûrement un peu de temps en temps, nous nous tromperons plus ou moins. Mais si Jésus est l'ami même des gens de mauvaise vie, Dieu ne nous abandonnera pas, ne nous jettera pas à la poubelle, même si nous faisons des erreurs en discernant par nous-mêmes. Et nous ne sommes pas seulement autorisés à ressentir intensément, à réfléchir par nous-mêmes et à tracer notre propre route. Mais Paul nous dit que nous en sommes rendus capables par un profond renouvellement de notre intelligence, dans notre façon de voir la vérité, et puis de discerner ce que nous pourrons faire, un renouvellement de nos tripes et de notre pensée. C'est ce qu'annonce unanimement Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Paul et d'autres. Bon, c'est encourageant, mais où en sommes-nous de ce renouvellement de l'intelligence et de nos tripes ? Eh bien, Jésus nous dit que nous en sommes au stade de l'enfance. Nous sommes déjà capables de plein de choses, plein de bonnes choses, mais nous avons encore une marge de progression, bien sûr. Nous sommes dans cet entre-deux. Mais quand même, il faut déjà oser se lancer, finalement, déjà oser être anticonformiste. Et précisément, savoir l'être à bon escient et savoir jusqu'où être anticonformiste. Car tous les anticonformismes ne sont pas géniaux, évidemment. Celui qui joue au rebelle ou à l'original pour marquer sa différence, pour faire le malin, il participe aussi à l'atomisation de la société, de l'humanité. Il divise. Alors, il y a même peut-être pas plus anticonformiste, pas plus conformiste finalement, que de rester ainsi sur la place publique, ne trouvant rien de plus important au monde que son propre cri, que son propre point de vue et que sa propre indignation devant l'indifférence des autres à notre propre condition. Ce n'est pas parce que l'on est original, ce n'est pas parce que l'on est mal vu des autres que notre cri serait prophétique. Il est peut-être juste.
individualiste. Alors parfois c'est juste n'importe quoi, notre cri, parfois c'est juste du bruit. Alors comment savoir ? Nous le savons après coup, nous dit Jésus. Après coup, on sait si notre geste a été sage ou non. Car la sagesse est révélée par le fait qu'elle fait naître la vie, qu'elle la fait grandir, une vie bonne, agréable et parfaite. Alors après coup, nous savons si notre geste était prophétique ou si c'était juste un geste imbécile. Mais sur le moment, comment savoir ? Quelle émotion est la bonne ? Quelle cause épouser parmi toutes les causes qui nous émeuvent ? Et puis quelle action, quel geste ? Alors bien sûr, on fait au mieux avec notre sincérité, avec notre conscience, avec notre courage, sachant que nous pouvons nous tromper un peu ou beaucoup, mais au moins, nous pouvons nous donner les moyens d'essayer de voir clair avec les utiles miroirs que nous tendent l'Évangile, que nous tendent Dieu par la prière, que nous tendent les uns et les autres autour de nous quand on ose discuter avec eux finalement. Essayer de voir un peu plus clair avec tous ces miroirs, avec notre intelligence, avec nos tripes. Cette intelligence, ça se travaille finalement, comme nous y encourage Jean-Baptiste, portant le deuil de nos insuffisances et nous invitant à nous tourner vers Dieu pour qu'il renouvelle cette intelligence, qu'il la transforme, qu'il la fasse naître et grandir. Cela se travaille aussi, comme Jésus le fait à tout moment, prenant du recul, seul, sur la montagne, pour prier, pour réfléchir. Et quand il y voit un peu plus clair, il redescend sur terre, il retourne vers les autres et il agit avec les autres, pour les autres, comme il peut, librement. Et c'est à ça que nous sommes appelés, tout simplement. Amen.